tu regrettes, il s'est rien passé entre nous, je peux rien dire à personne et tu peux compter sur moi pour me taire. T'es pas tombée amoureuse de lui? Ça va pas, non? De toute façon, il va se marier avec Hermione, alors. Si je t'épouse, je serai déshéritée et toi, t'es fauché. D'ailleurs, tu n'as pas un bac blanc, toi, lundi prochain? Si. Oui. Alors, tu vas me prendre 10 gouttes de ça tous les matins. Et ça marche vraiment, ton truc, là? Avec ça, tu passeras tes examens en toute sérénité, c'est moi qui te le dis. Et chaque jour, tu mets la barre un peu plus haut. Je crois que je sais pourquoi Philippe est bizarre avec Catherine en ce moment. Tu te souviens quand on se demandait pourquoi il faisait plus l'amour? T'as envie de moi, hein? Moi, j'ai envie de toi. Mmh. Non. Je t'ai dit, elle, t'y touche pas. Mais Chris, arrête! Moi, je te regarde tel que t'es. Tel qu'au fond, tu veux qu'un homme te regarde. Pas besoin d'invitation pour baiser toute la nuit. Et avec qui? Non, rien, je disais ça comme ça. Lorraine? Tu te souviens, on l'avait vu à la Scala. Il y a très longtemps, alors. 10 ans. Tu te souviens, on avait dormi dans un petit hôtel au bord du lac de Côme. Une chambre infestée de moustiques. L'enfer. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Voilà. Merci. Tu as prévu quelque chose pour ce soir? Non. On pourrait sortir? Je voudrais essayer une nouvelle adresse. Ouais. Je préférerais rester à la maison. Si ça t'ennuie pas, je suis un peu crevé. Comme tu voudras. Mais dis non en tête à tête ou... Sors de ton côté si tu préfères. Avec un autre homme? Pourquoi? Tu me trompes? J'arrête pas. C'est pour ça que tu as l'air si épanouie. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as l'air un peu bizarre. Non, non, ça va. C'est juste que ce matin, je suis pas sûre d'avoir très envie de plaisanter. Bonne journée. Dis rien, je sais, je suis en retard. Bon, tu peux aller à la réserve, il manque des serviettes. Ça va? C'est bon, je m'en occupe. La SSM t'a répondu? Oui, mais ça va pas trop te plaire. Maxime Chalumeau, c'est le nom du compositeur qui était aussi le bassiste des Chalumeaux. Mais la SSM n'a pas entendu parler de lui depuis 19 ans et il habitait à Vancouver. C'est génial. Lorraine, il n'a pas donné signe de vie depuis 19 ans. Et ça se trouve, il est mort. Et si ça se trouve, il a juste changé de métier. Hein. Ça se trouve. Je vais appeler l'ambassade parce que s'il habite encore là-bas, ils ont forcément son adresse. Elles sont belles, hein? C'est pour qui? Pour moi. T'es une admiratrice. Ben, elle a bon goût. N'est-ce pas? Comment elle s'appelle? Oula, ça a l'air sérieux, cette histoire. Ouais, c'était sérieux, mais maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance. Pourquoi? C'est déjà fini? Bon, cette serpillière, tu vas me la chercher ou faut que j'y aille moi-même? C'est bon, j'y vais. Hein. Oui, Jade. Non, mais ça fait une heure que j'attends, là. Donc c'est fatigant, c'est toujours pareil avec toi. On donne un rendez-vous et 2 heures après, t'es pas là. Donc dépêche-toi. Bah oui, bah moi aussi, c'est... Salut, beau gosse. Bon, dis-moi, les gouttes que tu m'as données, c'est quoi exactement? Un décontractant. Pourquoi ça marche pas? Ah si. Ah super, j'ai jamais été aussi zen, tout va bien. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Non. Non, à part l'impuissance, non. Quoi? Non, mais t'en fais pas, c'est rare. T'es cardiaque? Non, je crois pas. Bon, ça va alors. C'est pas des médicaments très forts, donc tu respectes les doses prescrites, tu bois pas d'alcool et puis tout ira bien. Même pas un petit verre? Ah non, mais pas une goutte. Sinon, tu dors jusqu'à la fin de la semaine, là. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Autre chose? Non. Bon,
Tu manges un bout avec moi? Le resto U est pas mal, il y a épinards et œufs aujourd'hui. Ah ouais. Non, bah là, je dois y aller. Mais merci, hein. Active-toi, Lorraine, on va pas y passer la journée. Oui, bah ça va, j'ai que demain. Mais aide-moi au lieu de me crier dessus. Non, mais attends, princesse. Enfin, si c'est trop dur pour toi, ce job, t'arrêtes, quoi. Il y a plein d'autres candidates à la porte, hein. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'agresses depuis ce matin? Je ne t'agresse pas. Mais bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Cherche. Je suis désolée, je vois pas. Chris, tu vois, je suis pas prêt pour une histoire d'amour. Et puis, l'amour, ça rend idiot, quoi. Pardon? Non, me dis pas que tu te rappelles pas, quand même. Mais non, je me rappelle pas de quoi tu parles. Ton petit extra avec Ethan. Ok, il t'a raconté. Bah, qu'est-ce que tu crois? Tu caches bien ton jeu, hein, Lorraine. On a couché ensemble, mais je vois pas où est le drame. Oh, nulle part, mais après ce que tu m'as dit sur lui, je suis un peu sié que t'aies baisé avec lui, quand même. Chris. Mm-hmm. Ça, c'est ma vie, je fais ce que je veux, d'accord? Je suis désolée de te le dire, mais ça te regarde pas. Pardon, c'est vrai, j'oubliais. Mais je suis ton employeur et toi, t'es... t'es une simple petite serveuse. Alors écoute-moi bien, l'employeur, il va aller prendre sa pause. Et pendant ce temps-là, la serveuse, elle va finir de ranger rapide. Où est-ce qu'on en est? Il a pu parler à quelqu'un à l'ambassade? Bon, très bien. Catherine se doute de quelque chose, j'en suis sûre. Excusez-moi, je peux vous rappeler dans deux minutes? Oui, oui, tout de suite. Merci. Je suis venue te prévenir. Catherine a tout découvert. Découvert quoi? Ben, nous. Nous? Quel nous? Y a pas de nous. Ah oui, je sais, pas encore. Mais Catherine est mon amie, tu comprends? Oui, et alors? Et alors, je peux pas la trahir. Je ne peux pas ruiner 30 ans d'amitié, quel que soit ton désir et tes sentiments pour moi. Je me pardonnerai pas. Alors attends, écoute-moi. Ah non, mais je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que tout ça n'a pas d'importance, que personne n'en saura jamais rien, mais tu sais très bien que c'est faux. Une fois qu'on aura cédé à la tentation, on ne pourra plus revenir en arrière. Il faudra vivre avec cette culpabilité toute notre vie. Écoute-moi. Il ne s'est rien passé entre nous. Tu m'entends? Absolument rien. Mais oui, c'est ça, tu as raison. Tu as raison. Il faut nier en bloc et lui dire qu'il ne s'est jamais rien passé. Voilà, c'est ça. À la bonne heure. Oh. Merci, Philippe. J'oublierai jamais ces quelques heures passées avec toi. Non, mais c'est rien. Enfin, c'est ta vie et puis ça me regarde pas de toute façon. Non, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça en plus. Je sais pas, il était là. C'est tout. Faut croire qu'il n'y a pas que les mecs qui font ça. Ouais, mais pourquoi lui? Moi? Non, mais je sais pas, parce que c'était facile. Mais moi aussi, je suis un mec facile. Non, t'es pas un mec facile. Mais si, tout le monde. Enfin, je dis oui à tout le monde. Tiens, d'ailleurs. Ah, si tu me demandes là, tout de suite, je te dis oui. Mais non, mais arrête. Non, mais c'est vrai, on est trop proches. Après, si on couche ensemble, ça voudra dire que ce sera forcément quelque chose de sérieux, que ce sera forcément compliqué. Oui, tu n'es pas prête pour une histoire, tu me l'as déjà dit, ça, Laurent, tu me l'as déjà dit, tu te répètes. Bah ouais, mais c'est toujours vrai. Hein. Bon, tu veux revenir bosser au café? C'est le patron qui parle? Non, c'est le pote. Faut voir. Mais si jamais je reviens, il y a une condition. Ah, non, tu me fais pas d'augmentation. C'est encore une période d'essai, Lorraine. Non, mais c'est pas ça ma condition.
Ah, c'est quoi alors? C'est, tu veux qu'on couche ensemble, c'est ça? Pour évacuer le stress, tout ça? Non, je couche pas avec le patron, c'est trop cliché, arrête. Non, mais par contre, la prochaine fois que t'as quelque chose à me dire, tu me fais pas la gueule en te taisant, tu viens me voir et tu me le dis. Bah, j'ai un truc à te dire, Lorraine. Quoi? Tu enfles. Oui, c'est vrai. En ce moment, c'est... Mais toi, alors? Je croyais que je pouvais tout te dire. Pas, d'habitude elle prévient. Pour une fois que quelqu'un s'amuse. Pourquoi tu dis ça? Tu es aveugle. Ça sent la main à plein nez cette histoire. Ah bon? Tu n'as pas remarqué que depuis quelques jours, ta meilleure amie revit? Écoute, elle dépense sans compter l'argent qu'elle n'a plus. Elle passe sa vie chez le coiffeur, si t'appelles ça revivre. Pour qui elle se fait belle, à ton avis? Amaury, il est en prison pour nous, j'en doute. Elle est en chasse, c'est évident. Oh, tu vois le mal partout. Mais il n'y a rien de mal. C'est même très sain, au contraire. Quand ton mari t'abandonne, il est de ton devoir de ne pas rester seul et de chercher la compagnie et la protection d'un autre homme, ne serait-ce que pour tes enfants. Qui ça peut être, à ton avis? Antoine? Bon, pour un coït, je ne dis pas, le quincaillerie fait l'affaire, mais là, c'est différent. Valérie a besoin d'un homme qui puisse l'entretenir. Or, Antoine n'a pas un sou en poche. Non, je pencherais davantage pour un homme marié, pour un homme installé, un homme... comme Philippe, par exemple. Tu plaisantes, j'espère. Tu les imagines tous les deux, Philippe et Valérie? Avoue que ça serait drôle. Hilarant. Pour toi, pas tellement, c'est d'accord. Mais pour nous, ce serait un très beau sujet de conversation. Et puis, vous êtes mariés depuis si longtemps. Ça mettrait un peu de piment dans votre couple. 20 ans, jour pour jour. C'est votre anniversaire de mariage. Visiblement, je suis la seule qui se souvienne de cette date. Félicitations. Non, c'est la grande classe d'avoir tout raconté à Chris. Qu'est-ce que tu voulais, blesser lui ou moi? Désolé. Mais en même temps, c'est toi qui voulais pas faire comme si rien s'était passé. Je t'ai demandé d'être discret. Comment on fait pour Hermione? Tu veux lui dire ou tu veux que je m'en charge? Non, mais Hermione s'en fout. Elle sait très bien que ça n'a aucune importance. Y'a que toi à qui ça pose un problème, on dirait. Non, y'a Chris aussi. Mais arrête, me dis pas que t'ignorais qu'il avait des sentiments pour moi. Si c'est le cas, il avait qu'à se bouger et être plus rapide. Belle conception de l'amitié. Attends, Chris se pose toujours 10 000 questions avant d'agir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et puis de toute façon, Chris, je sais très bien qui il veut vraiment. Et c'est pas toi. Et c'est qui? J'ai promis de fermer ma gueule. Bon, dis-moi, si t'as plu notre petite nuit, t'as aimé? Franchement? Mais je dirais que c'est comme au fast-food, en fait. Au début, on croit que ça va être bon, et puis ça a aucun goût à la fin. Tu veux que je te remette un menu XL avec une grande frite? Dans tes rêves, je préfère la bonne bouffe. Je cherche quelque chose. Ce parfum sur ta veste, c'est méchant loup? Méchant loup? Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai acheté un nouveau parfum. Comment tu trouves? Méchant loup est un parfum de femme, Philippe. Ah bon? Tu es sûr? Tu ne le savais pas, peut-être. On m'aurait vendu un parfum de femme à moi et je m'en serais même pas aperçu. Tu me prends pour une cruche, là, c'est ça? Mais non. Mais... Tu me trompes avec Valérie? Valérie, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, Valérie? Valérie est la seule personne que je connaisse qui porte ce parfum. Mais enfin, n'importe qui aurait pu l'acheter, chérie. Qu'est-ce que tu as? Et où ça? Méchant loup est introuvable en France. Valérie se le fait apporter directement du Japon par Yogeshi. J'appelle mon avocat. Attends, chérie, laisse-moi t'expliquer. C'est ta copine, elle est complètement barge. Elle débarque dans mon bureau, elle me saute au cou, elle me dit qu'elle m'aime.
On se connaît depuis plus de 20 ans. Je déteste cette idée. Comment t'as pu me faire ça? Il s'est rien passé, je te jure. Mais Philippe m'a tout raconté. Oui, mais c'est lui le responsable, c'est lui qui a essayé de m'embrasser. Ne jamais avouer, il restera toujours le bénéfice du tout. Ouais, la Traviata, toi, on t'a pas sonné, hein. Alors je t'accueille chez moi, je t'héberge, je te nourris, et tu trouves rien de mieux à faire que draguer mon mari? Non, mais tu es pathétique! Pardon, Catherine, je sais pas ce qui m'a pris. Mais Amaury en prison, les comptes bloqués, les travaux qui avançaient pas, j'ai perdu la tête. De toute façon, je vais te dire, je m'en fous que tu dragues mon mari, parce que t'as aucune chance avec lui, t'en auras jamais. Ce qui me tue, c'est que ce mec, à qui j'ai envie de crever les yeux, oublie nos 20 ans de mariage. Oui. Aïe! Mais comme ça, on est quitte. Ce qui s'appelle une épilation propre et nette, vous devriez en prendre de la graine, Géraldine. Elle m'en veut à mort. Mais non. Elle en veut à mort à cet abruti de Philippe qui a oublié leurs 20 ans de mariage. C'est toi qui as pris pour lui. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es allée se jeter dans les bras de son mari? J'en sais rien, je me suis sentie abandonnée, j'ai une pulsion. Mais si jamais t'as une pulsion de ce genre avec Alfred, sache que ce ne sont pas les poils que je t'arracherai, mais les cheveux. Si je fais 60 kilos et que je prends 10 gouttes, c'est-à-dire que 60 divisé par 10 égale 6, donc une goutte pour 6 kilos. Question. Maintenant, si je fais 90 kilos, combien de gouttes? Merde. Donc, une goutte donne 6 kilos. Victor, ne panique pas, ce n'est qu'une équation, ça va aller. Donc, une goutte d'un 6 kg, x égale 90, 90, non, fois 6, non, non, 90, divisé par 6, égale 15. Ok. 15 gouttes dans un verre pour 90 kg. Maintenant, une bouteille. Il y a combien de verres dans une bouteille? Je sais pas. Allez, 5, 6, 6, 6. Donc 6 fois 15, 30. Ah bah j'attends papa en fait parce qu'il a dit qu'il allait m'interroger. Et puis quoi encore? Je ne veux voir personne ce soir. Ton père et moi avons des choses importantes à nous dire. Alors tu vas dans ta chambre et tu n'en sors sous aucun prétexte. C'est pas le problème, Valérie. Philippe, c'est beaucoup plus grave. Tu as oublié notre anniversaire de mariage. Tu me comptes depuis 20 ans. Comment j'aurais pu oublier? J'aime pas quand tu fais ça. Tu sais très bien que je ne serais rien sans toi. T'exagères. Tu te débrouillais très bien tout seul quand je t'ai connu. Tu avais toutes les femmes à tes pieds. Mmh. On va dire toutes sauf une. Mmh. J'ai pas mis longtemps à succomber. 6 mois quand même. Mais il est magnifique. Oh. C'est vrai, il te plaît. Mais il est sublime, tu veux dire. Mais t'as fait une folie. C'est pour me faire pardonner. Mais te faire pardonner quoi? Les moments difficiles que je t'ai fait vivre au cours des 20 dernières années. Et de ceux que je ne manquerai pas de te faire vivre au cours des 20 prochains. Je sais que j'ai été trop dur avec toi et les enfants. Et pas assez présent. Mais ces dernières semaines ont été particulièrement compliquées. Ça devrait se tasser.
change rien. Je t'aime comme tu es. C'est tout ce qui compte. Ils sont grands. Mon Philippe. Philippe, qu'est-ce qui se passe? Philippe, parle-moi. Où est-ce que tu as mal? Philippe.